Sœur Minji, pouvez-vous expliquer ce qu'est la vie? Comment peut-on éviter d'être en colère? Pardon? Qu'est-ce que... Expliquez ce qu'est la vie. Ce qu'est la vie? Oui. Oh. Et quelle est la deuxième partie? Comment éviter d'être en colère? Comment éviter d'être en colère? Voyez, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, si vous conduisez dans les rues de Coimbatore, vous devez éviter les bordures qui sont placées à des endroits bizarres. Vous devez éviter les mauvais conducteurs. Vous devez éviter les hommes ivres qui traversent la rue, les enfants qui traversent la rue, toutes sortes de choses. Mais quand vous conduisez dans les rues de Coimbatore, devez-vous éviter la lune? Je vous le demande, devez-vous éviter la lune? Non. Parce que la lune n'est pas sur la route, n'est-ce pas? Donc de même, en ce moment, êtes-vous en colère? Non. Donc pourquoi devez-vous l'éviter? Il n'y a pas besoin de l'éviter. C'est juste que vous pensez que la colère est une entité. La colère n'est pas une entité. Vous vous mettez en colère. Vous vous mettez en colère. La colère n'est pas posée par terre et vous rentrez dedans. Une telle chose n'existe pas. Vous vous mettez en colère. Quand vous vous mettez en colère, est-ce agréable pour vous ou désagréable pour vous? Désagréable pour vous. Désagréable pour les autres à coup sûr. Désagréable pour vous aussi. Aujourd'hui, les preuves médicales vous prouvent que quand vous êtes en colère, vous empoisonnez vraiment votre système. Vous savez, on a toujours su cela. Mais aujourd'hui, les tests chimiques vous montrent clairement que vous empoisonnez vraiment votre système. Vous générez du poison dans le système en étant en colère. Donc, pourquoi voudriez-vous vous empoisonner? Ce n'est pas un acte conscient. Vous vous empoisonnez, vous vous causez du mal-être seulement parce que votre mental ne suit pas vos instructions, n'est-ce pas? Il ne suit pas vos instructions. S'il suivait vos instructions, vous auriez dit « félicité », n'est-ce pas? Vous n'auriez pas dit « colère ». Mais maintenant, quand vous voulez être en paix, il se met en colère parce qu'il ne suit pas vos instructions. Donc, si votre mental ne suit pas vos instructions, vous devez lui prêter un peu plus attention. Pourquoi ne suit-il pas vos instructions? Si vous comprenez cela, vous n'avez pas à éviter la colère, parce que la colère n'est pas posée là pour vous sauter dessus. Vous vous mettez en colère, vous devenez malheureux, vous devenez misérable. Ces choses vous arrivent essentiellement parce que vous n'avez rien fait pour prendre vos facultés en main. Ça a lieu accidentellement, juste par hasard. Si les situations externes sont bonnes, vous aussi vous êtes bien. Si les situations externes sont mauvaises, vous aussi vous êtes mal. Ce n'est pas comme ça que la vie humaine devrait être. La vie humaine devrait être comme ça. Si je suis bien, tout autour de moi devient bien. Cela devrait être la réalité, n'est-ce pas? En ce moment, si les choses autour de moi sont comme ça, c'est comme ça que je vais devenir. Non, non. C'est la conscience humaine qui devrait créer les situations. En ce moment, ce sont les situations qui créent la conscience humaine. Ce n'est pas la bonne manière de façonner la vie humaine.